sexy and I know it. Il y a 700 ans, à l'époque de Dogen, les moines, ils arrêtaient complètement la vie sociale. Ils rentraient dans le monastère et jusqu'à la mort, ils coupaient. Ils étaient juste des moines. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois que même si on reste 1000 ans dans un temple, sans stress, sans désir, je pense que au bout de 1000 ans, on va dire, tiens, je vais aller faire un tour en ville. Une enseignance que j'ai écoutée, que dice el camino para subir y para bajar la montaña es el mismo, que es muy linda. Entonces subí la montaña y después la bajé. J'ai écrit, je me rappelle que j'ai écrit à Stéphane, je lui dis Stéphane, je peux plus faire zazen, c'est la fin du monde, quoi. C'est vraiment la merde, quoi. Et donc il m'a répondu, il m'a dit, eh bien, tu peux te concentrer sur ta respiration tout en étant allongé, tu peux réciter la Nyashinyo, tu peux faire différentes choses pour essayer de quand même de continuer zazen, même si tu n'es pas assis en lotus. Thierry a eu un accident de montagne qui lui a brisé la colonne vertébrale. Donc sa moelle épinière a été sectionnée et du coup, il ne peut plus contrôler ni sentir ses membres inférieurs et son bas du corps. Putain, nickel. T'es sûr que c'est bien que je sois comme ça, ça me paraît bien. On l'étire un peu là, justement. Ah ouais. Je faisais du sport avant, beaucoup. C'était aussi mon métier, avant l'accident. Et je deviens un peu fou si je fais pas du sport. C'est important que je sois fort, c'est même pour le zazen, pour faire zazen, c'est important que mon dos soit fort, que je me tienne bien droit, etc. Et ça me défoule, ça me fait du bien. No son palabras, a lo mejor nuestro maestro puede explicarlo bien, pero yo qué sé. También todos los maestros hablan de que no hay ningún maestro sino tú mismo. Y el maestro de Shimaru siempre habla de volver a la condición normal. Practicar sasen, que es lo que nos junta a todos nosotros,
Es una cosa muy linda para todos los seres humanos. No me imagino ahora mismo sin Zazen. Es postura, respiración y actitud de espíritu. Cuando tu postura y tu respiración va bien, y Shiryo sale solo. Dicen que Shiryo es pensamiento, Fushiryo es no pensamiento, y Hishiryo es más allá del pensamiento. ¿Qué, vas al templo? ¿Cuándo te vas? Sí, me voy el martes, tengo dentista que encontré ayer, y luego hablo con Loic y voy para allá. ¿Y te quedas para el campo ya? Sí. Estar permanente. Sí. Guay. Nos vemos allá. Qué bien. Bueno, ¿y el dentista qué? ¿Todo ok? ¿Pasó esto? ¿Estamos con la prensa? Sí, no, el tío que viene al planeta, pero no tiene el carnet. Això és que normalment freqüentes, que són... A mi n'ha passat bé. Tu ves fent que jo vinc, eh? Ok. Je sais pas si c'est en fait que le corps est si important, mais bon, on vit et on a un corps. Et en fait, le corps souvent c'est pas comme on veut. Le corps c'est ah j'ai mal là, ah je suis en fauteuil roulant, etc. Donc on fait, chacun fait avec son corps. Putain j'ai chaud. Moine, c'est indivisible. C'est un, c'est un. Quand on devient moine, on devient le dernier. On devient un. On devient un Bouddha au centre de son illusion. Ça, c'est moine. On reçoit l'ordination de moine. Je suis moine, je suis tout seul. J'assume tout. Toute la réalité de ce monde, je l'assume. C'est ça, être moine. C'est pas aller dans des monastères et faire le guignol à faire des conneries. Moi, tout le monde devrait devenir moine. Je fais ma seca, fais ma méditation contrôlée. Le mal de Kisal est la seule chose que je n'ai pas assolu contrôler. Comme tu ferais, Anna? Jo ara tinc que marxar al temple i n'hi tinc dues molt, molt, molt malament. La meva situació no, econòmica no és molt gran, però la millor fins a 40 o 50 euros podria fer per si me podria ficar. Saps que a vegades també feu com a un empàs provisional que t'aguante com a... Perquè jo fins a finals de... A començaments de setembre, com si diguéssim, no tornaré. Sí, com a dins? Molt bé, tinc una mica de por, eh? Que no, home, no. Sí? No passa res. Agafant d'una mà. Tinc molta por, eh? Agafant d'una mà, hola. No passa res. Et fa molta por. No, no. Me feu molta por, eh? Te dic. Només mirem. Soc molt bona... Ah, bueno. Tranquil, no farem mal. Vous allez revenir. On va pas passer là. Jusqu'à ce que vous le veniez. Ne doutez pas qu'à travers cette ordination, vous êtes complètement indiscipliné. Un enfant, Félicidades del Samajou.
Aquest d'aquí va fora i... Segur, aquest segur. Llavors aquí no podré mastegar res. No, fins que no et posem les dents, no. És molt complicat. Vale, perquè vale. Et queda el seny, però és difícil mastegar amb això. I les dents del davant, durant una temporada van bé, però amb una dieta més tova. Si has de menjar fruits secs i de més, vigila molt perquè se't poden anar trencant aquestes coses. Clar, a veure... No ploris, que és molt trist. Pensa i et dic. Vale. Vale, doncs m'ho... Deixa'm parlar amb la Cati. Molt bé. Les mil i una dents, no ho oblido. On mène une vie, entre guillemets, normale, on travaille, on a des enfants, on a une femme, etc. Mais le centre, c'est zazen. C'est pour ça qu'on est des moines zen, parce que le centre, c'est zazen. Et en fait, le reste, c'est juste un petit théâtre. On n'est pas attaché à ça. Donc, tout à l'heure, il faudra que je fasse un petit saut à la banque, en fait. Cécilia, ma femme et moi-même, on va acheter un petit terrain. On va construire une maison et on va construire un petit dojo. Vraiment un vrai dojo qui ne sera pas dans la maison, qui sera à côté de la maison. Derrière moi, en fait, mettre la maison contre la montagne. Donc ce sera une maison écologique. Donc il y aura très peu besoin de chauffer cette maison. Elle sera vraiment très écologique. Et de l'autre côté, en face, ici, on construit le dojo. Donc au-dessus du garage, en fait. Et donc c'est vraiment un super projet. Voilà. Bah Thierry, il continue sa vie de cette manière. De toute façon, on est tous des handicapés. On est tous handicapés. Vous entendez les oiseaux ? Je dis pas que je souffre pas parfois d'être handicapé ou des choses comme ça, mais au quotidien, j'y pense presque jamais, quoi. Même, je pense pas que je suis en fauteuil. Pour moi, ça n'existe pas. C'est les autres qui me voient en fauteuil roulant. Moi, je suis pas handicapé. Je suis juste là, quoi. Je vis, quoi. Je pense pas que je suis handicapé au quotidien. Bonjour. Sur la marche, pour aller à la banque, on y va. Non, non, comme ça. Mettez-vous derrière. Vous basculez en arrière. Ok, yep. Allez-y, poussez. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Ouais, c'est bon. Je crois les bodhisattvas, eux, étaient des gens qui vivaient au milieu de la société et qui donc transmettaient la pratique et l'esprit de la pratique aux laïcs. L'idée de faire un dojo, c'est de donner la possibilité aux gens de découvrir zazen, en fait. Para mí llega a ser tan bonito el poder vislumbrar un poquito de mi verdadero rostro, como se dice en el Zen. Digamos, me enseñaron que está muy bien poner zazen en el centro de tu vida. Yo es lo que intento hacer. Está en mi centro y luego, como ya has visto un poco que te he enseñado mi manera de vivir, pues en lo social no es mi cosa más fuerte. Se comenta que todo lo que se ve afuera es lo que tú tienes adentro. Il y a deux choses qui se complètent parfaitement. C'est la focalisation dans l'avenir. Vous voyez, l'horizon, la focalisation pour créer le futur. Vous avez un but, vous avez un projet, vous le visualisez à l'horizon, là-bas. Ça, c'est une méditation. Et là, on a une autre méditation. Une méditation centripète.
And you go to Zazen, you go to the temple, and you abandon all. Nothing in my brain, nothing in my mind, no purpose, pas de but. Je pense que les deux sont complémentaires. L'un soigne l'autre. Oui. On dit le moine zen est sans affaires. Mais bon, moi je travaille, je fais des tas de choses. En plus, je fais des choses compliquées, j'achète une maison, des trucs comme ça. Et quand vous faites beaucoup de choses, votre cerveau il fabrique beaucoup de pensées. Et donc après, c'est difficile de faire zen. Et zazen, on n'apprend pas dans les livres. On apprend avec les autres. On apprend au contact d'un moine ancien ou d'un maître. Cette calligraphie veut dire les amis de la voie. C'est une calligraphie que Christophe Desmurs, maître Ryurin, a réalisée pour moi l'année de mon accident. Stéphane a signé, beaucoup de gens ont signé. Et je pratique zazen avec cette calligraphie. C'est comme si je faisais zazen avec la sangha tous les jours. El viaje al templo fue muy, muy lindo. Conseguí el dinero, viaje por la noche. Llegué a Béziers, tomé un tren hasta Bédarieux y luego en un cruce un ángelo, porque le pusimos el nombre de Bernardo L'Angelo, me llevó directamente desde allí a la puerta del templo. Y a las 8 de la mañana ya estaba en el templo. Muy lindo y muy feliz de ir. Y nada, y vi a toda la gente. El Zen no es un juego de niños. C'est difficile de raconter l'expérience de zazen. Le mieux, c'est quand même de pratiquer soi-même. En fait, devenir un avec tout l'univers, devenir un avec la montagne, c'est devenir soi-même la montagne, simplement. Quand je suis dans la montagne, mon corps et mon esprit sont en unité. Quand je fais zazen, mon corps et mon esprit sont en unité. Je ne sais pas où est mon corps, je ne sais pas où est mon esprit. Mon corps est dans mon esprit est dans mon corps, c'est toute une seule chose. C'est la plus haute attitude, vous n'avez rien à obtenir en fait en zazen. Vous ne cherchez pas quelque chose. Dans le silence de zazen, vous êtes simplement là. Vous êtes là, mais c'est quelque chose, c'est super fort d'être simplement là, maintenant. No hubo una buena comunicación y nada, tuve que marcharme. Tomé mi responsabilidad y tuve que marchar y tomar la enseñanza.
Lloré 6 kilómetros bajando la montaña y luego ya no lloré más. Y un águila se posó en un árbol. Creo que era el maestro de Shibaru. Bajé la montaña andando y luego, directo a Barcelona, me llevó Los Ángeles. Automatiquement, on souffre et on est heureux, et on souffre et on est heureux. Et en plus, il y a une telle quantité de mauvais karma, on souffre beaucoup en fait. Avec Zazen, on peut couper ça. On peut revenir vraiment à la racine et couper tout ce mauvais truc. Et donc simplement être là et être content dans des choses très très simples. Bon, maintenant, j'ai une vie très intéressante avec toujours beaucoup de sport, beaucoup de outdoor. Mais bon, quand même, je dois aussi... être dans un bureau beaucoup de temps, et ça c'est très différent. Donc voilà, c'est vraiment une région très très belle à visiter, quoi. Bon, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'est essentiellement un mauvais souvenir. Ma vie, c'était de marcher, voyager, faire de la montagne, et bon, évidemment, dans un cadre de travail avec des clients, mais c'était cool, c'était vraiment très très cool. C'est des photos de la Réunion, donc là où j'ai eu mon accident. Donc j'ai un petit peu oublié les noms des différentes montagnes, etc. Donc ça, en fait, c'est moi avant mon accident. Voilà. C'est tout simplement une pierre qui est tombée. Voilà. Donc ça va vite, hein. C'est comme ça. Ça va très très vite. En fait, mon accident est arrivé à peu près par là, dans cette montagne. Bah non, je regarde jamais ça. Je regarde pas. C'est pas si facile. Enseñanza puede ser muy, muy fuerte, pero con mucha compasión. Lo siento si ahora soy muy directo, la mentira que nos han contado nos hace vivir en un mundo de sufrimiento. Y nosotros tenemos miedo, ese miedo, y entonces, ¿cómo lo expresaría? No soy un producto. ¿Lo sabes? Sí, pero una hora seguro, vale. Bueno, miro a ver si encuentro algo y si no me vuelvo a venir, ¿vale? Mucha suerte. Chao, lindo. ¿Viene mi compañero? Si no, te quedas más rato. Sí, si no viene, me quedo una hora más. Vale, de acuerdo. Hago mi cambio interior, pues es una revolución linda, ¿no? I love you, baby. ¿Cómo estás? Bien. Mira, te escuché y digo, bueno, le voy a preguntar. He preguntado al del pasillo. Me ha dicho que a lo mejor era una hora. Digo, tú no sé si llevas mucho rato, si llevas... Acabas de empezar ahora. ¿Has probado el enlace arriba? O sea... Es que no puedo allí porque no tengo... No se me oye. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Sí, yo paso, yo me quiero mirar, tía. Escolta, muchas gracias. ¿Vale? Chao. Yo
Yo no acabo de entender muy bien, pero sí que me he dado cuenta que a lo mejor un ligero pensamiento puede afectar y crear una realidad diferente. Y sí que ahora estoy viendo que hay que ser muy cuidadoso con tus pensamientos. Yo creo que en mi interior hay mucho miedo. Es difícil decir, ¡wow! No tengo miedo, no. Y siempre me gustó que el zazen es la vía del no miedo. Lo comentaba el maestro de Shimaru, decía un día largo como un niño. Cuando tú realmente vives un día como cuando hemos sido niños, si te acuerdas, yo me acuerdo y no te preocupabas de muchas cosas porque tu abuela te preparaba la comida, jugabas, aprendías. Cuando te enfadabas, luego lo soltabas y volvías a reír y volvías a amar. A lo mejor va un poco por ahí. Même un monstre, même un ivrogne, quand il fait zazen, il devient un Bouddha. Dans la nature de Bouddha, on déconnecte le côté animal. L'animal se calme, il reste tranquille. C'est tout pour moi. Après mon accident, je me suis concentré toutes mes forces sur ce qui était là, sur ce que je devais faire, ce avec quoi je devais dealer, le handicap, toutes les choses qui étaient devant moi. Zazen, ça m'a vraiment aidé à être rapidement heureux d'une certaine manière dans cette nouvelle existence. La peine de regarder derrière. Deseo desde el fondo de mi corazón es seguir a mi maestro. Y seguir y estar con la sangha. Aprendo que no hay que tener miedo, que hay que insistir y que hay que amar. Revenir à la nature de Bouddha. Dédicacé à toute la sangha kosen, où monte à nous les pauses, il fait vivre le bon zen. Les pas trop compliqués, non c'est juste être nous-mêmes. Frappe à ta foi, tu sens le tus, elle est bon même. Dédicacé à toute la sangha kosen, où monte à nous les pauses, il fait vivre le bon zen. Les pas trop compliqués, non c'est juste être nous-mêmes. Frappe à ta foi, tu sens le tus, elle est bon même, yes I. Le petit message pour dire, tu sais, qu'il faut casser un petit peu tous ces a priori. Tu vois, tu arrives dans le temple, tu dis, ouais, les gars, ils sont noirs, c'est strict, on rigole pas, mais moi, je te dis. La vibe, elle est là, mon frère. Elle est là, la vibe. J'espère que tu comprends, merci, grâce à ce film aujourd'hui. Ce qu'on vit ici, c'est avant tout l'expression du cœur, il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on vit ici, c'est avant tout l'expression du cœur, il ne faut pas l'oublier. Een DVD van deze uitzending kunt u bestellen via onze website. En luister ook naar onze programma's op Radio 5. Surf voor meer informatie naar www.bosrtv.nl.